pour repartir de l'avant. Après le Monaco Gate. Ouais. Could be a cracker. Pole position can only be secured by one driver, and the lucky gentleman goes by the name of Nico Rosberg this weekend. You wouldn't bet against the German driver pressing his Mercedes to victory today. He's definitely going to be difficult to beat today, but anything can happen. So we'll have to keep a close eye on how this unfolds over the course of the race. Just what do you think will be going through Fernando Alonso's head as he watches now how well Ferrari are doing this year? Fernando left Ferrari as he didn't believe they'd be able to offer him the opportunity to win that third world title. If he knew this form was around the corner, I dare say he would have stayed put. Ouais, shooter, je suis entièrement d'accord. Après, quand je stream avec Restream, ça me fait un lien automatique sur les deux chaînes. Donc, ça permet aux gens qui me connaissent d'aller soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et ben, quand ça marche pas bien sur Twitch, du coup, ils passent sur YouTube. Au niveau du lag, il n'y a pas ce phénomène de lag. Merci, Maxence. Bon, allez, on part avec les pneus options. Et puis, Cyril, j'attends après toi pour tes recommandations. Donc, on est parti pour une belle course. Allez, on est parti. Right, let's be patient going into turn one. We want to be in a good position for the rest of the race. Good luck. Vente du rêve. Qui te dit que c'est une tondeuse ta machine. Le virage 1 de le prendre à l'intérieur de Cyril. Il y a un problème là. La piste est mouillée dans le premier secteur. Cyril, est-ce que je passe en prime? J'ai l'aileron avant cassé. Ouais, tu passes en prime. Putain, ça c'était pas prévu ça.
C'est quoi ce bordel là? Pourquoi la piste elle est mouillée au début dans le premier secteur là? Je pense que Vettel aurait pu gagner s'il aurait mis les médiums en même temps que Rosberg. Vettel, il aurait dû changer de pneu quand il a eu le drapeau rouge. Si jamais tu vois trop de pluie qui tombe, tu passes en inter. Et pour l'instant, il pleut pas, mais la piste elle a l'air d'être humide. Bah, c'est un coup d'Hamilton, ça. Tu veux dire qu'il a balancé de l'huile sur la piste? Allô. Elle est sans doute fraîche Angel, sinon on va tenter de faire durer le plus longtemps possible les primes. Ouais, j'essaie de les ménager. Le secteur 1 c'est humide. Ouais, le secteur 2 c'est humide aussi, mais tu vois, il y a une trace sèche où les voitures passent, surtout à l'épingle. Ça annoncerait l'arrivée de la pluie. Siri qui te dit qu'il faut que tu restes sur les trajectoires sèches, tu rattrapes le plus vite possible les manœuvres. Work in progress. Merci pour le follow.
J'ai pas vu qui c'était. Et Gloss Black. Et 160 followers. Ou plus, pas. T'avais mis tes freins à l'arrière. Oui. Rosberg's in first place. The man of drivers next. Just 5 seconds separate you. Here's the current fuel level. We have 40 kilos remaining. 40 kilos. Faster than a manor driver. Keep pushing. Quick tire update from you. Everything's looking nice and tidy on our end. Let us know if you start to feel any issues. Cyril, continue comme ça, tu reviens sur Mary et Stevens. Il y a Cyril qui te disait de l'attaquer dans la zone de DRS après l'épingle de la chicane.
distance to the rear, this may stop your front tires from locking. Siri qui te dit n'hésite pas à passer ma M3 dans les zones de DRS. Mais là faut que tu t'attaques à Stevens. You're catching Stevens by around a second per lap. The Mana driver's falling back by around 3 seconds a lap. Force India cars is about to stop by the looks of it. Their pit crew are getting ready. From the car ahead, let's see if we can use DRS to pass him. You're faster than the car ahead in sector one. Use that advantage to get past. Il faudrait que tu fasses un check-up des pneus pour Cyril. Là, faut que tu te débarrasses d'Alonso. That's P16, 16th place.
kilos of fuel remaining. The brakes and tires are starting to overheat. You need to ease off in the corners. The car behind is on standard revs. Car behind is running standard revs. Just ahead of Alonso. Il faudrait que tes pneus tiennent jusqu'au 22e tour pour après repasser en super temps. On va essayer. T'as un total de 22 viewers. Pérez qui est venu taper ma roue arrière. Oh non, mais c'est pas possible. J'avais dit, hein, Pérez, il est venu me taper ma roue arrière, hein, derrière. Oh putain, il y a Siri qui dit encore 4 ou 5 tours, mais bon, là... Ah non, c'est... T'as allumé la voiture? Ouais. Bah ouais. Parti au stand. Putain, j'étais sur la trajectoire, quoi, putain. Et toujours une couille. Sauf que c'était bien, tu remontais bien, là. Thank you.
Eh, lâche rien, Angela. Tout donné là. Bon alors tu fais 10 les super tendres et à la fin du 27ème tu remettras des super tendres. Dike. Au DRS, tu te débarrasses de Fernando. C'est fait. Cyril qui te dit de pas hésiter à mettre le Mix 3 dans les zones de DRS. Prochain objectif, Maldonado. Remaining, that's 20 kilos.
Et maintenant, Button, parfait. Il y a Jim Tonic qui t'a follow. Yeah, merci Jim. Allez, les trois t'en fais une brochette là. Tu as Sius qui t'a follow aussi. Merci pour le follow. Ah, il y a eu quoi? J'ai eu chaud. Ouf. C'est parce que j'entends le bruit du volant. J'ai fait une manœuvre un peu de dingue. Ah oui, à la sortie de la chicane. T'as bien joué Angel, t'as deux places des points là. Encore deux tours comme ça, tu passes en super tendre. Pit in.
Jackson's next. Just 5 seconds separate you. Confirmed, we'll fit the option tire on your next stop. Your pit window is now open. Green flag, we're racing again. C'est la fin du 27 qu'il faut que je m'arrête. La fenêtre d'arrêt est ouverte. Angel, c'est quand tu veux. Cyril te dit. Il t'a dit deux tours, mais il me semblait que tout à l'heure il t'avait dit à Cyril Box à la fin du 28ème. Et ça sera les super temps. D'accord. Birds out in front. You need to pit in this lap. T'as sélectionné tes pneus, Angel ? Ouais, c'est bon. Allez, 6 tours pour jouer une top 10 là. Ça doit s'arrêter devant encore, non? Il me semble qu'il y en a qui ne se sont pas arrêtés, ouais, donc peut-être grappiller des places.
before you start feeling too many tire issues. They seem in good condition for the time being. Okay, on the monitors we can see that you're locking your rear brakes. It might be a good idea to move your brake balance forward. Stronger pace than Button. Keep this up. Okay, there's 10 kilos of fuel left. 10 kilos of fuel. Alonso is falling back by around 2 seconds a lap. Il y a Siri qui te dit que les pilotes de devant ils sont un peu usés, donc t'es autorisé à passer le mix 3 si possible. Second of the car ahead, get ready to use DRS to overtake. Create a gap and let the car behind through. Closing on Sainz, his times are 3 tenths slower than yours. We've only got about
5 kilos of fuel remaining now. That's 5 kilos of fuel. Nasser's behind you. He's 5 seconds adrift. C'est Eric qui te dit d'attaquer Sainz au DRS. Mon dieu, quelle course! Great win today for the Silver Arrows of Mercedes-Benz. They certainly had the best car today. Oh putain, il restait pas grand chose. Il restait pas grand chose, comme tu dis. Hein. C'était vraiment. C'était une bonne course. Ah ouais, on s'est bien battu. Hein. Une bonne stratégie. Tu pouvais y aller dans le top 10. On a une très très bonne stratégie et c'est dommage. C'est dommage parce que il y a eu ce bug là dans les trois premiers tours là où je me suis fait surprendre par la piste mouillée. Et du coup ça nous a clairement pénalisé. Hein. Donc à l'issue de la course, on a Nico Rosberg qui s'empare de la victoire devant son coéquipier. Ensuite Sébastien Vettel 3e, Raikkonen 4e, Valtteri Bottas 5e, 6e Kiat, 7e Verstappen, 8e Ricciardo, 9e Hülkenberg. 10e Massa, Marcus Ericsson, et après donc Sainz, Nasser, Button, Alonso, Perez, Merri, Stevens et Maldonado qui a pas terminé la course. Et au championnat du monde des pilotes, donc on a Nico Rosberg qui reprend la tête devant son coéquipier pour un tout petit point. 3e on a toujours Sébastien Vettel, 4e Bottas, 5e Raikkonen, 6e Ricciardo. 7e Massa, 8e Kiat, 9e Perez, 10e Button, je suis 11e pour l'instant. Et derrière, on a Verstappen, Alonso, Hülkenberg, Maldonado, Sainz, Ericsson, Nasser, Stevens, Merri. C'est vraiment dommage, hein, ce piège qu'on a eu en premier, dans les premiers tours, hein, parce que je pense qu'on aurait vraiment pu finir dans le top 10, plutôt bien placé, marquer des gros points hein, sur cette course. La voiture était au top, les réglages étaient nickel. La stratégie une stratégie parfaite et c'est juste que on n'a pas eu de chance. On a eu une IA agressive, on a vu Perez hein, qui m'a envoyé dans le décor sur la zone de DRS alors qu'il était en train de me dépasser et j'étais sur la trajectoire hein, donc je suivais la trajectoire tout simplement, je pensais qu'il allait me déboîter par la droite et en fait il m'a fait l'intérieur dans le mur. Donc voilà, hein, tout simplement. On va revoir d'ailleurs hein, le replay hein, du début de la course. Avec un départ qui s'était plutôt bien placé, j'étais arrivé à remonter sur Vettel. Et puis bon, ici je suis resté à l'extérieur pour éviter le contact. Et puis après, c'est Massa qui est revenu aussi, Hamilton qui était derrière en embuscade. Et on voit bien hein, là la piste hein, qui est mouillée. C'était assez étrange parce que on pouvait tout à fait attaquer et par moments on avait des problèmes comme ça de freinage. Ouais, ce phénomène comme tu dis, un follower de plus hein, pour me réconforter. Cyril, on avait largement le potentiel pour finir 4e et la 8e place. Quand j'ai dit qu'il faut être prudent dans le premier tour, ça se vérifie encore ce soir. Ouais, mais là ce soir j'y suis pour rien, Cyril.
Là, c'est vraiment un bug. Il n'y avait pas de pluie. Je veux dire, la piste, je vois pas en quoi elle était. Enfin, d'un seul coup, on avait l'impression qu'il avait fait une douche sur cet endroit-là alors qu'il tombait pas une goutte. C'est vraiment hallucinant. J'avais jamais vu un truc pareil, quoi. Ah, c'est ici hein, où je suis allé tout droit, hein, tout simplement. Pas compris ce qui s'est passé, la voiture a tiré tout droit et j'étais obligé de bloquer les roues. Ouais, pour Perez, ouais, j'ai manqué de réflexe, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Ouais, bon, et ben un peu déçu hein, parce qu'on aurait pu faire mieux. Il y avait vraiment une bonne qualification qui aurait pu nous permettre de faire un bon résultat au final. Et bon, bah voilà, hein, un peu de bol. À deux reprises en plus. Donc, prochaine course donc en Autriche sur le Red Bull Ring. J'espère que ben, c'est aussi un circuit que j'aime beaucoup, alors j'espère qu'on va arriver à performer là-bas. Et ben on va mettre un terme au live hein, de ce soir. J'espère que en tout cas ça vous a plu quand même. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live et je sais que ce soir on a encore fait un bon score. On est actuellement 8 sur Twitch et une petite dizaine sur YouTube. Hein, c'est redescendu un petit peu là parce que la course est terminée puis il est tard. Merci encore à toi, Paddock, pour avoir été présent. Bah, de rien, merci, ça me fait plaisir. Et puis, donc Cyril qui me demande comment je le vois le Red Bull Ring, bah écoute, c'est un circuit que j'aime beaucoup, un peu comme le Canada, donc il y a moyen de faire une bonne qualification si on a le bon setup. Et puis après, bah, il va falloir que la météo joue en notre faveur pour la course, ou en tout cas, il faudra qu'on soit très prudent une fois de plus, de pas se faire piéger. Parce que c'est pas tout d'avoir fait une bonne qualification, mais après on voit que finalement il peut se passer des choses, donc il faudra qu'on soit prudent. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté au live. Je vous rappelle que la team Déjanté commence sa Web TV à partir de demain, donc rendez-vous sur les liens que vous a passé Paddock hein, tout au long de la soirée pour vous abonner et suivre l'aventure de notre nouvelle Web TV qui prend vie dès demain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, merci encore, dans la semaine vous aurez la rediffusion des qualifs et de la course. Portez-vous bien, et puis à très bientôt, allez, ciao ciao.